Bonjour, vous demandez peut-être quelle est la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. Je vais vous proposer en fait de vous éclairer un petit peu par rapport à ça. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007. Et toutes les semaines, je vous propose des vidéos pour être épanouie dans votre vie et vous sentir bien chez vous. Donc bien sûr, vous êtes au courant qu'on n'a pas que le plan physique qui existe, qui est autour de nous. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les différents plans énergétiques, je vous invite à aller voir la vidéo. Qu'est-ce que c'est déjà notre corps? Notre corps, en fait, c'est la maison de notre âme et de notre esprit. C'est le côté matière qui est en nous. C'est grâce à lui que nous arrivons à percevoir les choses. C'est grâce à lui que nous avons nos sens, etc. Donc déjà, c'est hyper important parce que c'est lui qui va nous relier, en fait, à la matière. C'est grâce à lui en fait qu'on va pouvoir avoir une action sur le plan physique. Si on n'avait pas de corps, on ne pourrait pas avoir une action aussi facile dans le plan physique. Après, bien sûr, notre corps, il va changer au fur et à mesure de notre vie, mais on se rend compte en fait qu'on reste les mêmes, même si notre corps change, à l'intérieur de nous, on sent en fait qu'on est les mêmes personnes. L'esprit, lui, c'est le siège de notre conscience. C'est grâce à lui qu'on va raisonner, qu'on va prendre des décisions, que l'on va penser et apprendre. C'est grâce à lui, en fait, qu'on va avoir des opinions, qu'on va avoir des souvenirs, que ben, c'est le siège de notre personnalité aussi, notre esprit. C'est grâce à lui aussi qu'on a cette conscience d'exister et qu'on a cette envie de nous améliorer. L'âme, elle, c'est notre conscience, notre sagesse absolue. Elle est toujours présente après la mort et, par exemple, notre esprit peut réussir à se connecter à notre âme en état modifié de conscience. Donc, ça peut être soit la méditation, soit le voyage chamanique, par exemple. Notre esprit peut se connecter à elle pour réussir à mieux communiquer avec elle. C'est elle qui va nous permettre de ressentir si les choses sont vraies ou pas, si on est sur la bonne voie. Quand on se sent connecté à quelque chose qui nous touche énormément, c'est notre âme en fait qui va nous parler. Quand vous avez cette petite voix en fait qui arrive pour vous susurrer certaines choses, c'est votre âme en fait qui vient vous parler. L'âme en fait, c'est l'intermédiaire entre notre corps physique et notre esprit. C'est aussi le chef d'orchestre en fait de notre vie. Donc moi par exemple, avec ma pratique du chamanisme, on arrive en fait à partir en voyage pour aller rencontrer notre âme, pour aller discuter avec elle, pour savoir d'où elle vient. Ça va nous permettre aussi de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici et ça va nous aider vraiment à mieux se connaître et savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Donc peut-être que vous avez d'autres pratiques qui vous vont permettre de vous reconnecter à votre âme. Je vous invite à les partager juste en dessous. Je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur ces pratiques-là. Et je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. À bientôt!